Le mouvement est à la base du cinéma, car un plan, avant de se mouvoir, se doit de contenir un mouvement qui lui donne un sens et qui lui permette de captiver le spectateur. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui en a fait la base de son cinéma, et s'est peut-être d'ailleurs un peu trop enfermé dedans. Jonathan M. Shu, ou John M. Shu, est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis près de 9 ans maintenant. Malheureusement pour lui, sa réputation s'est faite au fil de nombreux longs-métrages dont la qualité visuelle était souvent mise de côté pour se moquer du fond de ses films, ses œuvres étant souvent clichés, et quand ce n'est pas le cas, c'était le sujet au centre de ses longs-métrages, celui-ci ayant réalisé 2 films sur la star de jeunesse Justin Bieber. Mais heureusement, son cinéma ne se limite pas qu'à cela, car au-delà de simplement peindre des portraits souvent en relation avec le monde de l'art, il a toujours été passionné par le mouvement, celui d'un danseur, celui d'un homme ou d'une femme, mais avant tout, celui d'une caméra cherchant à capter une action. Il a baigné dans le monde de la danse dès ses premiers longs métrages, et c'est en cela qu'il a tout de suite été fasciné par le mouvement d'une caméra, celle-ci pouvant se permettre de compléter celui d'un acteur ou d'un danseur face à son objectif. Ainsi, en amenant le mouvement de la caméra comme un complément dramatique et scénographique de l'action, on se retrouve devant une mise en scène qui veut avant tout jouer avec la conception même du 7e art, écrire avec le mouvement, pour emmener le spectateur dans un torrent de réflexion physique et morale par le biais d'un travail autour du corps. C'est ce qui amène le cinéma de cet auteur, qui peut sembler simple au premier abord, à chercher par la suite des choses à l'emmener dans ses retranchements les plus affectifs. Shu devient alors un auteur du corps avant d'être un auteur de la morale, ce qui peut amener son cinéma à se limiter, mais qui réussit tout de même à nous entraîner. En cela, on peut admettre que Shu ne réussit pas à tenir ses concepts, et se limite peut-être un peu trop à une conception purement et simplement technique de son art, quand celui-ci devrait également jouer avec l'intensité morale et non uniquement physique d'une scène. En avançant cela, on admet que son œuvre est encore en pleine évolution, et que son caractère, bien que façonné autour de la conception d'un geste cinématographique, manque encore de finesse et de développement dramatique, qui pourrait amener Shu à se concentrer sur un développement humaniste et non plus simplement physique de ses films. Shu est encore en train de façonner son cinéma et de lui donner du caractère, en cherchant à explorer un peu tous les genres de cet art, en essayant de les relier. En cherchant à capter le mouvement d'un corps dans un film d'action, une comédie musicale ou un documentaire, il est encore en pleine recherche personnelle et expérimentale. C'est cela qui le rend intéressant. Malgré une certaine limitation technique, Shu ne veut pas s'enfermer dans ce qu'il sait faire, mais veut également explorer l'essence même du 7e art, sa diversité de genre et de conception. Avec des premiers films qui tâtonnent un peu et une suite de carrière qui semble toujours dans la même veine, on peut s'attendre de la part de Shu à des longs-métrages trempés qui ne manqueraient pas de chercher à pousser les corps au-delà de leur mouvement vers leur destruction. Plonger dans le cinéma de John M. Shu, c'est chercher à décrypter le mouvement du cinéma comme un besoin de compréhension physique d'un dilemme moral au cœur de l'image animée. Au-delà de filmer Justin Bieber, Shu filme le mouvement de l'être humain cherchant à aller vers l'autre et non pas à se refermer sur sa personne.